donc c'est ça. Et puis, ben, finalement, cette semaine, comme le conférencier donc, a malheureusement dû canceller pour des raisons de santé, j'ai essayé de penser à qu'est-ce que je pourrais vous parler. Et puis, je me suis arrêté finalement à la culture geek. Donc, la culture? Oui, c'est un mode de vie, si vous voulez, ou c'est une mode, une façon de... Une tendance, c'est ça, qui est très populaire. Non, mais c'est pas gay. C'est pas ça, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport avec l'homosexualité ou avec l'orientation sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, d'abord? Geek, ben c'est ça, je vais vous l'expliquer. Parce que moi, je suis un geek. Donc, c'est évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la culture. C'est la culture qu'on s'adonne. On ne parle pas de gay. Pardon, quand? On se donne une culture qu'on se donne à soi-même. Non, c'est plutôt un genre de mode de vie, si vous voulez, d'une certaine façon. Ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Là, c'est pas gay, c'est geek. G-E-E-K. C'est à l'origine un mot anglais. Et c'est un mot qu'en fait qui est à l'origine un mot allemand, qui vient de l'allemand, geek, G-E-C-K, qui désigne un fou, un espiègle. Et ça vient aussi du néerlandais, donc la langue qui est parlée en Hollande, ou dans la partie néerlandaise de la Belgique. C'est les Flamands. Donc, le néerlandais. Et le mot geek, donc, il désigne quelque chose de fou. Donc, un geek, dans l'origine du mot. Ça ressemble au fou du jeu de tarot, hein? Oui. Bien, dans l'origine du mot, ça vient un peu d'une certaine folie. Bien, oui. D'une certaine. Je pense que je suis comme ça. Pour quelque chose. Je suis folle un peu. À l'origine aussi, c'était utilisé pour. Comme des fruits, des monstres de foire, des bêtes de foire. Ainsi comme les. Vous savez, ils appelaient ça en anglais, ils appelaient ça des sideshows. Toujours, quand on avait les cirques anciennement, autour du cirque, il y avait des tentes où on montrait les madames à barbe, des choses comme ça. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Des affaires. Des choses comme ça. Donc, ce terme-là a aussi utilisé ça. Mais aujourd'hui, en fait, depuis 1957, le terme est surtout utilisé pour un genre de synonyme d'un intellectuel. Donc, un geek aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est passionné, un peu fou, passionné, qui a une passion pour un certain nombre de choses, en particulier les jeux de rôle. Donc, vous savez, les jeux, là, où on s'habille, on se costume. Dans le théâtre. Pardon? Pas du théâtre. Mais pas du théâtre, c'est plus faire des genres de, par exemple, des week-ends médiévaux. Ah oui, oui, oui. Hein? Ça, je veux dire, t'es déguisé. Ou de jouer à des jeux comme Donjons et Dragons, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est l'improvisation. C'est un peu de l'improvisation, mais dans un contexte de jeu, c'est-à-dire que il y a comme un maître du jeu, un peu comme dans le loft, là, un maître du loft, mais un maître du jeu. Et les gens doivent accomplir un certain nombre de tâches et puis ils peuvent obtenir des points. Et puis des fois, quand on arrive à certains moments dans le jeu, on va utiliser des dés. Pour décider de quelle sera la prochaine étape ou dans quelle direction on va s'en aller. Ça ressemble à anciennement, il y a quelques années, le film La vie est belle. La vie, c'était belle. Hein? Tu sais, le monsieur qui. Oui. Qui disait à son petit gars, on est en période de guerre, mais tu t'en apercevras pas. Là, tu sais, c'est un jeu. C'est un peu des jeux de rôle, ça, c'est un petit peu comme ça. Ben, Poiré, le film qu'il a fait, le cinéma, là, il montait le cinéma à ses petits-fils. Je ne rappelle pas du titre, là. Je me souviens. Ça me fait penser un petit peu à ça. En tout cas, les jeux de rôle, c'est une activité donc, qui est très, très prisée de ce genre de personnes-là. Donc, il y a des gens qui sont vraiment passionnés de ça, qui organisent des tournois, des compétitions, qui, à tous les fins de semaine, vont participer à des événements, des jeux de rôle. Ça va être du plaisir.
Oui, c'est ça. Dans le film de Denis Arcand avec la Brèche, là, il aime une fille, mais elle a fait partie de oui, bon, oui, c'est en ça. Plein ça. Exactement. La fille dans... C'est Macha Grenon. C'est ça. Dans le film... comment ça s'appelle, là? Moi, je sais, c'est quoi? Les ténèbres... L'âge des ténèbres. L'âge des ténèbres, oui. Ouais, c'est ça. Exactement. Le rôle joué par Macha Grenon, là, qui s'habille en médiéval, qui a ménagé toute sa maison, son appartement. C'est terrible, là, d'aller faire ça. Oui, oui, oui. Changer ouais. sa vie, parce que je pense que ça travaille dans un bureau. C'est ça. Puis là, ben, elle a amené du piquant. C'est ça. C'est ça, oui. C'est ça. Ben, ça, c'est des jeux de rôle. Le soin du piquant. Les geeks aussi, mais il y a des geeks qui sont dans... qui sont passionnés pour différentes choses. Par exemple, les jeux de rôle, c'en est un. Un autre, c'est le cinéma ou les séries télé. Donc, moi, j'ai un de mes neveux qui est un geek aussi, comme moi. Et lui il trippe jeux vidéo. Ça, c'est une activité qui est très prisée. Et cinéma. Donc, cinéma, quelqu'un qui est vraiment passionné de cinéma. Puis tu peux avoir des gens qui sont passionnés pour un type particulier de cinéma. Par exemple, tu as des gens qui trippent sur les films de science-fiction. Tu as des gens qui trippent sur les films d'horreur. Tu as des gens qui trippent sur les films poches. Hein, les films, là... Français. Ouais, ou les films comme mal faits, avec des effets spéciaux un petit peu bidons. Ce qu'on appelait anciennement des films de série B, par exemple. Il y a vraiment des gens qui trippent sur différentes affaires, types de films. Il y a des gens qui trippent, des geeks qui vont... C'est eux, c'est les séries télé. Comme, par exemple, Star Trek. Ouais, tu as des gens, les Trekkies, là, vous connaissez peut-être ça, les Trekkies. Tu sais, les gens qui vont s'habiller avec des costumes de Star Trek, qui vont aller dans des congrès de Star Trek, qui vont réécouter en boucle toutes les émissions de Star Trek, ou encore de 24 heures chrono. Ils se créent un univers, finalement. C'est ça. Un genre de collectionneur aussi. Oui, c'est ça. C'est un peu des collectionneurs, c'est un peu des gens qui se créent un univers, qui se créent une existence parallèle d'une certaine façon dans cet univers-là, dans ce monde-là. Bon, un aspect gay qui est très, très connu, c'est tout le côté des jeux vidéo. Les gamers, qu'on appelle, les gens qui trippent jeux vidéo, qui passent leur nuit à jouer à des jeux vidéo, leur fin de semaine à jouer à leurs jeux vidéo, qui sont obsédés de certains types de jeux, justement, des fois. Il y a différents types de jeux vidéo. Ça, les gens, ça, c'est, ces gens-là aussi, ça, c'est une catégorie. C'est une sous-culture, si vous voulez, de la culture geek. Si on regarde ça d'un point de vue ethnologique ou anthropologique, là. Donc, c'est vraiment des sous-cultures d'une culture qui est la culture geek. Et ce qui est probablement aussi le plus connu de tout ça chez les geeks, c'est tout le côté informatique. Oui. Donc, ce qu'anciennement, on aurait pu appeler des nerds, hein, ce qu'on aurait pu appeler des nerds... De jeunes, de monde dans la 30-50, oui. Plus que dans mon âge. Bien, en fait, ça serait probablement dans ce qu'on appelle, on dirait la tranche des... disons, 17-18 ans jusqu'à 47-48 ans, c'est ça, les générations X et les plus jeunes. Moi, je suis de la génération X, donc moi j'ai grandi dans cet univers-là, je suis quelqu'un qui trippe sur l'informatique, c'est mon métier, j'ai été informaticien pendant des années, c'était mon hobby avant, j'avais commencé à faire de la programmation quand j'étais très jeune. C'est devenu aujourd'hui mon métier. Maintenant, j'enseigne à l'université dans ce domaine-là. Tu as baigné là-dedans tout le temps. Oui, exactement. Il y a des geeks, une grande catégorie des geeks qui sont des gens qui trippent sur l'informatique. Donc, moi, je suis dans cette catégorie. Mais il y a des recoupements, c'est-à-dire qu'on n'est pas exclusif nécessairement à une catégorie. Donc, moi, par exemple, je trippe informatique, mais j'aime beaucoup aussi certaines séries télé. Comme 24 heures chrono, Star Trek, des choses comme ça. Big Bang Theory, une série américaine. Mais moi, les jeux de rôle, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Puis les jeux vidéo, non plus. Parce que moi, je suis plutôt l'informatique. J'aime ça, utiliser des ordinateurs, me servir des ordinateurs
Mais jouer à des jeux vidéo, moi, c'est pas quelque chose que j'ai pas vraiment accroché là-dedans. Donc, on peut être dans, chez les geeks, mais dans une catégorie particulière, si vous voulez, de geeks. Faites des abus là-dedans. Faites des abus. Mettons comme Yvan, il est tout le temps là-dessus, puis là, il y a une cassette de 200 jeux, là. Et puis, il vient comme. Je dis, c'est assez, là. Oui, bien, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, on parlait tout à l'heure du film L'âge des ténèbres, la fille là-dedans, que c'est. Qui est mal le rôle de ma chagrenante, tu disais. Tu sais, que c'est peut-être un peu excessif. C'est comme n'importe quoi. C'est ça. Routine, ah, ben, c'est ça. Ben, en fait, c'est exactement ce qui est écrit ici, tu vois. Elle n'a pas vu la réalité, là, d'aller aujourd'hui. Non, mais elle voit l'autre rire de sa vie. Oui, oui. Non, mais regarde, ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai là, à l'écran, si tu remarques. Donc, le geek, c'est quelqu'un qui se réfugie dans un univers virtuel, qui est moins fade que sa vraie vie. Tu l'as dit tout à l'heure, il trouve sa vie plate, il va se réfugier là-dedans. Une autre chose aussi que tu as dit, fuit la réalité et ses angoisses en se développant un monde imaginaire. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. Donc, le geek, c'est aussi là-dedans. Puis, d'une certaine façon, on peut dire que le geek est un enfant qui ne veut pas grandir. Il se déguise, il regarde des dessins animés, il joue aux jeux vidéo. Or, même à 45 ans, tu as des gens qui vont se déguiser en dessin animé. Ils vont se déguiser dans des costumes de dessins animés, de bandes dessinées. Hein? Ils vont aller passer leur fin de semaine, par exemple, dans des événements médiévaux, donc ils vont se déguiser en personnage. On avait un étudiant à un moment donné ici, là, qui avait une carte. Oui. Tu oui. Oui, oui, oui. On croyait que ça rentrait au des fois. Oui. On lui avait demandé pourquoi tu savais comme ça, mais il avait dit, ben, la vie est plate, puis là, ben. C'est ça. Moi, lui, je me donne un. De même, j'ai fait mon affaire dans un. Oui. Mais la vie, elle nous emmène pas, mais on m'a donné un impact, puis le masque casse, puis c'est obligé d'intégrer des. Oui, mais si la personne est bien là-dedans, ça fait pas de mal à la personne. Donc, pourquoi pas? C'est sûr qu'il y a toujours le risque, un peu de ce qu'on a déjà parlé, tous les aspects reliés à la cyberdépendance, bien c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux aller dans l'excès. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui aime boire du vin, qui est un amateur de vin, il va boire des bons vins, des choses, ça va. Mais si tu commences à boire une bouteille de vin à chaque repas, tout seul, chez vous, tu prends un coup, tout le temps, bien là, c'est sûr que là, ça devient problématique. Mais c'est comme dans... C'est ça. Il peut y avoir de l'abus là-dedans, comme dans n'importe quoi. Mais en soi, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, quand même, tout le côté geek, il y a quelque chose de puissant là-dedans, puis qui est celui de développer sa curiosité puis son imagination. Ici, le personnage, la personne que vous voyez, le comédien que vous voyez, lui, c'est quelqu'un qui est très connu dans la culture geek, parce qu'il joue le rôle d'un geek dans une émission de télé, donc qui s'appelle... The Big Bang Theory. Il joue le rôle du professeur Sheldon Cooper. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très, très populaire. C'est une émission qui est très populaire dans la culture geek. C'est une émission que moi, j'aime beaucoup. Et ça, lui, ça, c'est un personnage. Donc, c'est un professeur d'université geek qui collectionne des bandes dessinées, les personnages, les petites figurines là, de bandes dessinées, qui va dans des conventions, des choses comme ça. Puis ça, c'est ça qui monte là, un peu dans l'émission de télé. Mais c'est quand même un chercheur, un physicien, un professeur d'université. Tu sais, tu as des gens... Oui, c'est comme... ça. Moi, je suis dans les temps de table. Oui. Dans les temps de table. Non. Le rôle qu'il joue, c'est celui d'un professeur d'université. Okay. Non, lui, c'est un comédien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme formation universitaire dans la vraie vie. Là. Mais lui, c'est un, en guillemets, on dirait une idole, quelqu'un qui est très prisé par toute la communauté geek. Surtout ceux comme moi. Moi, je suis dans le monde universitaire, je suis dans la culture geek. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. Mais j'ai un petit vidéo. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va bien fonctionner. On va essayer. Je ne sais pas si vous allez bien l'entendre. Peut-être si je le mets comme ça. Est-ce que vous entendez? Geek. It sounds familiar, but I'm not sure of the exact meaning. Yeah. Ah oui, je sais ce que c'est un geek.
What's geek? A movie? A show? Un geek, c'est quelqu'un qui passe son temps devant son ordinateur et puis qui dort avec son sac de couchage sur son bureau. Ça doit pas dans le Robert, hein. Un geek? C'est anglophone? Geek? Non, je suis d'abord en espagnol, là, non? A geek, it's like a nerd, right? Yes. Yeah, like guy who's on the computer all the time and stuff. Big square glasses, weird hairdo, shirt tucked in and everything, yeah. Bah, ça peut être vous, ça peut être lui, ça peut être moi, c'est un accro à l'informatique, truc comme ça, non? What is a geek? No. C'est un malade, quoi. Un malade comme nous tous. Pareil qu'en fric. Je pense, d'après une émission que j'ai vue, c'est quelqu'un de justement au contraire très intelligent, mais qui fait un petit peu de dans son apparence. J'ai peur. Non. Ça évoque quelqu'un qui est un peu perturbé, un peu. Non. Proust? Non, c'est Proust, c'est pas geek. Des mecs accro, qu'est-ce qu'il y a dernièrement qui est sorti, tout ça. C'est pas mes valeurs. Il fait des gens en réseau la nuit, tard, et de la merde, il sort pas trop, et il a que des amis garçons qui font comme lui. Je suis pas content à avoir un WhatsApp. Xbox, enfin, c'est comme, pas comme une drogue, mais presque. Il y a un côté obsessionnel, collectionneur aussi. Je passais environ une dizaine d'heures par jour, maintenant je vais plutôt 2-3. C'est un faisceau d'indices qui est composé, alors, une espèce de nostalgie des années 80, on assimile ça aujourd'hui à ça, mais je pense qu'il y a des geeks qui ont toujours existé. Après, j'en ai aucune idée. Person who is very technical. C'est quelqu'un qui est sur son PC, qui n'a pas de vie sociale. The hackers. Un geek, quelqu'un qui est obsédé par l'informatique, qui ne vit qu'à travers ça, qui n'a pas de vie extérieure. On en avait quelques camarades en classe, des choses comme ça. Un geek? Un geek? Oui. Un geek, oui. Un quoi? Non. Stick? No. Un geek? Non, pas du tout. C'est un genre un informaticien, un mec un peu intellectuel, quoi. Un mec qui n'a pas de vie. Et qui passe un peu de vie sur l'ordinateur ou à jouer des jeux vidéo ou sur Facebook. Non, I don't know. Un geek, non. I don't know. Un geek? Je n'ai vraiment aucune idée, désolé. Ça a trait en tout cas aux nouvelles technologies de l'information. Je crois que c'est ces gens accro, c'est ça? Passionné des technologies, tous les petits gadgets à la mode, etc., etc. Une vie virtuelle sur Internet. Et voilà, ils passent à côté d'essentiel. Non. A musical thing, kind of a medieval dance. Un geek, c'est un informaticien. Un geek, c'est quelqu'un de super techy qui aimera beaucoup les applications sur son mobile, par exemple. Un mec en général, mais il y a pas mal de filles aussi qui s'y mettent. Moi, ce serait Steve Urkel. Voilà. L'image du geek, quoi. Les grosses lunettes carrées, et puis les modèles, les couleurs partout, le pantalon qui remonte. J'étais un geek, ouais. C'est vraiment les grosses têtes, quoi. Yeah, I got a lot of geek friends, yeah. Après, c'est devenu la mode. Le geek, c'est chic, donc voilà. Donc, geeks, c'est beaucoup de choses. Hein? C'est beaucoup de choses. On parle aujourd'hui de la culture geek. C'est quoi ça? Geek, G-E-E-K. Ben, c'est ça qu'on est en train d'essayer de comprendre ensemble. C'est quoi? Donc, les geeks, c'est des gens, en général, c'est beaucoup des hommes. Mais il y a de plus en plus de filles. Il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des geekettes. Des filles geeks. Oui, des filles geeks. Mais c'est surtout des hommes. Si on avait à définir une tranche d'âge, on dirait probablement entre, disons, 16-17 ans et à peu près 48-49 ans. Parce que c'est la génération, en fait, des gens qui ont eu un accès facile aux technologies de l'information et des communications. Hein? Dans les exemples, les gens disaient un petit peu toutes sortes de choses. Mais... Donc, c'est beaucoup des gens qui trippent ordinateur, mais ce n'est pas que l'informatique. C'est des gens qui trippent sur des choses, qui sont intéressés à des sujets reliés à la modernité, reliés aux technologies, reliés aux jeux de rôle, reliés aux jeux en général. Donc, c'est beaucoup ça. Mais ça tourne beaucoup autour de l'aspect technologie parce que le plus gros sous-groupe de geeks, c'est les gens qui trippent informatique. Et si on avait à définir, probablement, le premier groupe, c'est probablement ça. Et puis, pas tellement loin derrière, c'est probablement tous les gens qui trippent sur les jeux vidéo.
Parce qu'il y a des gens qui trippent vraiment beaucoup. Là, ici, au musée, on a beaucoup de geeks, évidemment. Le musée, c'est un musée qui plaît énormément à cette communauté-là. Mais toi, est-ce que tu te catalogues comme un geek? Oui, définitivement. Okay. Oui. Et mais le, on a ici beaucoup d'activités reliées aux jeux vidéo. On a une association, le Club des collectionneurs de jeux vidéo du Québec, qui fait ses meetings ici. Ils font leurs rencontres ici au musée. Donc, parce qu'on leur, on a pris une entente avec eux, on a fait un genre de partenariat, donc on leur charge un genre de membership, un abonnement annuel pour toute l'association. Et en échange de ça, ben, on leur fournit le local pour faire leur, arranger leur, faire leur rencontre. Ça doit être à 88% des hommes? Non, à peu près à 80% des hommes. Ah, à peu près, oui. Et puis donc, eux, ils passent toute la journée, qui sont ici, à jaser de jeux vidéo, à faire des échanges de jeux vidéo, ou de vieux, de vieilles consoles de jeux vidéo. Ils font ça pendant toute la journée. Là. Ils arrivent à midi, là, puis ils partent à 9-10 heures le soir. Ils font... Ben oui, mais c'est ça, être un geek, c'est ça, c'est être vraiment... vraiment trippé sur une chose. Pourquoi c'est seulement des hommes? Je veux dire qu'en majorité, c'est des hommes. Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être une question de personnalité. C'est peut-être d'une certaine façon, anciennement, il y avait une question de pouvoir d'achat aussi. Ça prenait des moyens pour être geek. Ça a foutu. Tu sais, moi, si je calcule combien que je dépense par année en gadgets informatiques ou reliés à l'informatique. Ou moi, pour moi, c'est l'informatique numéro un. Le deuxième, c'est le cinéma télé. Tout ce qui est cinéma maison, etc., je suis quand même pas mal équipé. Ceux qui sont déjà venus chez nous, ils savent. Mais tout ce qui est nouvelle technologie, ben, je dois dépenser sûrement 15-20 000 $ par année en gadgets, là, j'imagine. Si je faisais le calcul de tout, là, juste en informatique, ça va vite. Là, si j'achète un nouvel ordinateur à tous les années. Tu sais, ça va vite. Là. Ben oui, c'est ça. Mais quand t'as une passion, je veux dire, tu comptes pas tes dépenses. Oh, mais ça, ton balcon, t'as pas déblayé avant-hier. C'est pour ça. C'est pour ça. Sûrement. Ton c'est mon ordinateur. Dans les parents, il y en a un, mais on vous observe, hein? Il y a une paye de 1000 piastres. Oh, c'est acheté un truc interne. Ouais. Tu sais, ça fait. Tu en payes. Ben, c'est comme des mois de dépenser 1000 piastres. Elle a dit, pourquoi c'est que tu n'es pas acheté des bottes? Tu sais, tout de suite, un gadget là, qui veut. Mais qui ça? C'est quelqu'un? Dans les parents, les trois, ils ont trois enfants. Ah, l'émission Les Parents? Oui, ouais. Le plus vieux, il a travaillé, il a fait 1000 piastres. Fait que là, tout de suite, là, il a pensé à s'acheter un gadget là, qui coûtait ça. Là. C'est l'aîné de la famille. Il dit, j'ai ma première paye. Là. Il n'a pas été content, mais c'est pas faire avec, tu sais. Ses parents, les deux, ils vivent bien, tandis que quelqu'un qui est plus pauvre, il ne pourrait pas s'acheter ça. Ou non, il c'est ça. Voler s'il est maniaque. Oui, bien, c'est sûr que pour être geek, je veux dire, en quelque part, ça prend de l'argent. Si juste les réseaux, là, que tu fréquentes. Mais si tu es motivé et tu veux faire ces choses-là, puis que ta motivation t'amène à vouloir aller te chercher une job, ben oui. Puis travailler, ben pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, ça peut être positif. Oui. Tu sais, si t'as des raisons de vouloir avoir de l'argent pour te payer des choses, admettons pour un jeune, puis c'est ça qui l'amène à aller chercher une job, ben gars, pourquoi pas? Ben, faut que tu sois capable de se payer quelque chose qui est intelligent aussi. Oui, mais là, c'est sûr que d'un moment donné, ça devient un jugement de valeur. Qu'est-ce qui est une bonne dépense, qu'est-ce qui n'est pas une bonne dépense? Bien, ça dépend. Il y en a qui sont tellement gros. Bien, les jeunes aiment bien ça, se promener à l'année du jour. Quand j'ai initié, où je travaillais, là, bon, on m'a demandé d'initier une personne, une jeune. On dit à la fin de la journée, j'ai dit, ça vaut rien. À tout bout de champ, elle prenait sa chose, puis là, elle regardait pour jouer, puis c'est zéro. Tu peux pas garder ça dans un milieu de travail. Ben non, mais c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut être capable aussi de mettre ça de côté, sinon ça devient comme une drogue, une ben, dépendance. C'est ça, là.
Il y en a qui c'est des, une drogue. Ben oui, mais regarde, moi, je suis quand même capable de fonctionner. Là. Je m'intéresse à ça, mais quand c'est le temps de travailler, je vais travailler. Ouais, mais il y en avait plus aussi qu'il faut aller là-dedans. Ils veulent mettre ça dans le DSM. Là. Oui, la cyberdépendance. C'est ça. Ben oui, il y en a certains. Ouais, mais toi, tu es capable de le payer, tandis qu'un jeune, il n'y a pas d'espoir. Oui, puis en quelque part, si je regarde mon exemple, ben c'est mon grand intérêt pour ça qui m'a amené à aller travailler là-dedans, qui fait que je gagne ma vie quand même correctement grâce à ça. Ben, si y a j'avais pas eu ça. Pour tous ceux qui aiment ça. Ben oui. Oui, ben, dans oui. L'informatique, il y a des. Tous ceux qui aiment bien ça, là, ils ont tous un poste de professeur à quelque part. Bien, s'ils vont à l'école et qu'ils vont faire les études qui s'apprennent pour devenir professeur. Ils vont venir pour leur place. Bien, si tu aimes ça, tu as des chances, tu as bien plus de chances d'être bon là-dedans. Aussi, il y en a qui sont aimés ça. Oui, vendeur, je reconnais qu'ils aiment bien ça vendre ça. Technicien. Ils sont à la recherche et les compagnies, là, ils volent les employés, là. Ben oui. Moi, j'ai un collègue, là. Là mais quand même, il y a du coup de... Ils changent souvent de compagnie. Ben oui. J'ai un petit fils, puis je me dis, quand je vais le rencontrer, il va lui demander si... Parce que je me pose si c'est un geek. Parce que... c'est incroyable. Il est en informatique, puis il donne des cours aussi à l'université, mais là, quand la dernière fois, je l'ai vu, il dit non, je suis trop occupé, là. Il a changé de compagnie. C'est incroyable, les compagnies qui vont les employer même, puis ils offrent. C'est l'offre qui fait qu'ils changent. Mais ils n'ont pas de. Comment on appelle ça de, ils ont un salaire, mais ils n'ont pas de. D'avantages sociaux, de bénéfices marginaux. Ils n'ont pas parce qu'ils changent trop souvent. Puis, quand j'ai parlé de Supiche, il connaissait. Il avait été à une de ses conférences, fait que je vais lui demander s'il ne connaît pas ça, mais en tout cas, ben oui. Il vous connaît ça. Ben en tout cas, c'est l'informatique, c'est seulement ça qu'il prend. Puis un beau frère, lui, là, les gadgets, là, il s'achète des affaires, là, aussitôt que c'est nouveau, même qu'il a deux écrans là, qui sont de même, mais il va s'en acheter un autre, c'est terrible. Quand je vais le voir, la première question, il va lui demander si c'est un geek. Ça. Ben oui. Puis, il y a des exemples, il y a des gens quand même très connus qui sont des geeks. Bill Gates, c'est probablement un bon exemple. Steve Jobs, c'est un autre bon exemple. Il y en a bien qui le sont, mais ils ne savent pas. Il y en a bien qui le sont, mais ils ne savent pas. Là, ou qui ne veulent peut-être pas se l'admettre non plus. Mais, tu sais, avec modération, c'est une très bonne chose. Si ça, tu peux t'arranger pour que ta passion, ça devienne ton gagne-pain, si tu es passionné par ça, il y a des bonnes chances que tu réussisses bien dans la vie à travailler là-dedans. Tu sais, tu peux te gagner ta vie à faire n'importe quoi aujourd'hui. Si tu es bon là-dedans, il y a du monde qui sont prêts à payer pour avoir tes services, quelle que soit la chose que tu fais. Tu sais, même quelqu'un qui tripe science-fiction ou jeu de rôle, tu peux gagner ta vie là-dedans. Mm-hmm. Tu peux devenir auteur de science-fiction, auteur de bande dessinée, tu peux devenir cinéaste, réalisateur, producteur... Tu peux travailler dans des journaux, des revues, des toutes sortes de publications. C'est pas, les postes sont pas quand même, ils pleuvent pas, là. Non, les domaines où les postes ne pleuvent pas, là. C'est vrai, mais si tu es super, si tu tripes là-dessus, il y a des chances que tu sois bonne. Si tu es vraiment passionné par un domaine, les chances que tu sois bonne dans ce domaine-là, ils sont bien plus grandes. Ah ben, c'est sûr. Si c'est ta passion, là, si tu en manges, là, ça fait des années, là. Tu as tout lu ce qu'il y avait à lire sur ce sujet-là. Tu es très informé, là, puis tu t'en vas là-dedans, puis tu aimes ça, puis ça paraît. Puis tu veux réussir, tu es ambitieux, tu es motivé. C'est ça que tu veux. Par rapport à tous les jeunes qu'on voit aujourd'hui qui n'ont aucune motivation, puis qui n'ont aucune énergie, un employeur, s'il voit que tu aimes vraiment ça, puis que tu es motivé, il va t'engager. Un de mes neveux encore, lui, sa passion, c'est les jeux vidéo. Il tripe sur les jeux vidéo. Mais il est allé, c'est quelqu'un qui réussit bien, là, qui a des super bonnes notes à l'école. Il est allé au collège privé. Puis, il a étudié en sciences, puis tout ça, c'est ça. Mais il est vraiment passionné des jeux vidéo. Il a fini son cégep, il est allé ici au cégep Maisonneuve, il a étudié en sciences. Et après ça, il est allé à l'université McGill. Il est devenu astrophysicien. Il a fait des études en
en astrophysique. Ça, c'est loin des vidéos, là. Après sa maîtrise, après son diplôme en astrophysique, il est allé faire une maîtrise à l'Université de Sherbrooke en jeux vidéo. Et aujourd'hui, il travaille chez Ubisoft comme concepteur de jeux vidéo, programmeur puis concepteur de jeux vidéo chez Ubisoft. Et il gagne très, très bien sa vie. Mais oui. Je ne savais pas qu'il y avait des maîtrises. Mais au moins, s'il a étudié aussi dans l'autre chose, au moins, il y a... Il y a du monde qui font même des doctorats en jeux vidéo aujourd'hui. C'est assez récent quand même. Oui. Mais moi, ce que l'avenir est... Ben oui. Ce que je reproche à... Ben souvent, à plusieurs, là, c'est qu'ils ne parlent que de ça. Ils n'ont pas d'autre conversation que ça. Aucune autre culture que ça. Ben, je prends l'exemple de ce jeune-là. Je prends l'exemple de ce jeune-là. Il a une très grande culture générale. C'est ça que je dis énormément. C'est ça que je disais tout à l'heure. Il voyage. C'est un amateur, un passionné aussi de cinéma. Il va voir beaucoup de films, pas juste des films américains là, où le monde se fait dessus. C'est comme ça. J'ai dit que souvent. Bien, il y a de tous les genres. Il y en a de vraiment tous les genres. Ben oui. Oui, mais il y a des gens sans ces cours-là qui vont parler, ils sont obsédés juste à affaire. Ah, s'il y en a, ça n'a pas de bon sens. Ça vient comme... Mais c'est sûr que ça peut-être aussi, ça dépend aussi peut-être des parents aussi. Lui, dans son cas, ses parents, c'est des gens aussi qui voyagent beaucoup, qui sont très cultivés. Mon beau-frère, ma belle-sœur, c'est des gens intelligents qui ont d'autre d'éducation. Moi, je parle de ceux qui n'ont pas d'autre chose à parler que ça. Ça devient... moi, je trouve qu'à ce moment-là, ils sont one-man track. Ah, ben, c'est sûr. Avoir à un moment donné. C'est pas nécessairement des gens là, qui vont. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais aujourd'hui, le but de la discussion, c'est assez plutôt de comprendre cette culture-là. C'est un fait que la culture geek, ça existe. C'est très, très populaire. Il y a beaucoup de monde, surtout évidemment dans les jeunes, dans les tranches d'âge qu'on disait, surtout chez les garçons, mais ça existe. Puis honnêtement, c'est bien mieux ça. J'aime bien mieux quelqu'un qui trippe informatique ou qui trippe technologie que quelqu'un qui trippe heavy metal, puis qui est tout le temps dans des raves en train de prendre de l'ecstasy ou de la drogue. Tu sais, on parle c'est pas des jeunes qui prennent pas de drogue. Là. Tu peux pas être super bon dans un jeu vidéo si tu prends de la drogue. Ben, c'est ça. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, il y a aussi un côté féminin à ça. Ben, ils devraient trouver d'autres choses que ça. Les geekettes. On dit geek. Ça, c'est les geekettes. Il n'y a pas trop bien entendu, là, mais il peut interpréter mal ce mot-là. Les geekettes. Et entre autres, il y a les Girl Geek Dinner. À Montréal, il y en a de ça, d'ailleurs. Il y a des clubs, une association des filles geeks, les geekettes. À Montréal. Ils font des dîners de filles, des soupers de filles. C'est le mot geekette que je trouve qu'il devrait changer. Ben non, c'est qui? Ça a l'air à bande dessinée. Ben, parfait. C'est le monde qui trippe ses bandes dessinées. C'est, la culture geek, ça inclut la... En fait, ça inclut bien des affaires. Hein. Je vous ai fait une liste ici, là, de différentes activités. Je sais que c'est pas très gros, mais je vais vous lire ça. Non, c'est marqué comique. Donc, toutes les différentes activités geek. Bon, évidemment, on a beaucoup parlé de tout le côté informatique. Hein. Donc ça, c'est un aspect qui est très important. Le côté informatique et scientifique. Donc, il y a des gens qui trippent chez les geeks, différents aspects reliés aux sciences. En particulier, ça peut être la paléontologie, par exemple. Quelqu'un qui trippe ses dinosaures. Ça peut être l'astronomie. Hein, les gens qui trippent sur l'observation des étoiles. Toutes sortes d'aspects reliés. Les chevaliers d'émeraude, hein? Les chevaliers d'émeraude. Ouais, c'est quoi ça? Ben, je ne sais pas, mais je sais que mon ami de fille, son gars, il les a toutes, puis c'est le bon chevalier. Ah oui, oui, ça, c'est une affaire de guise. Parce que je viens de voir le Seigneur des Anneaux, alors c'est pour ça que. Oui, oui. Donc, tout ce qu'on appelle les univers littéraires, c'est la deuxième catégorie. C'est ça, les univers littéraires. Les univers littéraires, entre autres, tout ce qui est Tolkien, Seigneur des Anneaux. Le monde qui trippe sur les Seigneurs des Anneaux, là, qui font des fins de semaine Seigneurs des Anneaux avec les costumes et toute la kit. Là. Ou les gens qui, tu sais, ou même aussi Harry Potter. Hein? Les gens qui trippent sur Harry Potter, les livres d'Harry Potter, puis qui s'habillent en Harry Potter, en sorcier, puis en tout ce que tu voudras.
qui même joue là, au Quidditch, là, c'est le jeu, espèce de jeu là, qui joue sur des balais, là, qui envoie comme une balle, et ils font des tournois de ça. Évidemment, ils n'ont pas de balais volant, là, comme les sorcières, mais, ou les sorciers, mais ils sont fait une version de ça. Donc, tous les gens qui trippent là, vraiment sur ces univers littéraires-là. Tout le côté cinéphile, orienté sur des films, ce qu'on appelle des films de genre. Donc, sur des genres particuliers. Donc, tout le monde, par exemple, qui trippe science-fiction. Imaginez-vous Star Trek, par exemple. Mm-hmm. Ou Star Wars, le monde qui trippe Star Wars. Hein? Donc, quand il y a un nouveau film Star Wars qui va sortir au cinéma, les gens s'habillent en costume, s'habillent dans personnages de Star Wars, puis ils vont dans les événements, ils vont aux premières, hein? C'est une grosse affaire, ça. Les films d'horreur aussi, il y a des gens qui trippent sur les films d'horreur, il y en a qui trippent sur les films de ce qu'on appelle heroic fantasy, les fantaisies héroïques, style Hercule, Thor, le film Thor hein, sur le dieu suédois, le Viking, c'est ça, exactement. Il y a eu un film là, qui est sorti l'année passée, Thor, sur les Vikings, là, ben, le monde qui s'habille, donc dans aussi Xena. Hein, Xena, là, la... Ah oui, la guerrière. La guerrière, exactement. Donc, il y a des gens qui sont embarqués là-dedans. Donc, Seigneur des Anneaux. Non, Trek. Conan le Barbare. Star Wars. Le Matrix aussi. Ah oui. Hein? Tron. Puis, tous ces films, ce genre de films-là. Tu as les gens qui trippent séries télé. Ce qu'on appelle les TV show addicts, les gens qui sont drogués, si vous voulez, là, accros à certaines séries télé. Ben ça, c'est comme les Providence, Apparence, les trucs qui jouent. Oui, mais chez les geeks, c'est pas vraiment des shows comme Providence, on pense plutôt à des shows comme 24 heures chrono. Les films comme, les émissions de télé comme... c'est que les autres styles science-fiction, Star Trek, Battlestar Galactica, l'affaire de science-fiction, Espace, Cosmos 1999, hein, tout ce genre de séries-là, là, que les gens sont vraiment... Tout Dexter, plus des fictions. Ben, c'est pas obligé que ce soit fiction, non. Ça, Providence, ça pourrait l'être, mais... Le choix de la fiction, c'est de la réalité. Ouais. Moi, c'est dans le monde médical. Ouais. Apparence, c'est dans le monde... Ouais. Mais quand on parle sur geek, on parle plus à des genres de méga-séries américaines. Mm-hmm. Style The X-Files, admettons. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, The X-Files. L'espion... Il y a du FBI, là, Mulder. Ah, ça, j'aime ça. Il y a le NCIS aussi. Oui, c'est ça, NCIS, c'est Millennium, ça, c'est un super bon exemple. Ça, ouais. J'aime ça. Millennium, ça, c'est vraiment une affaire de geek, ça. Puis pas juste parce que Millennium, ça rentre dans la catégorie. Mais le film et le livre et la série télé. Le livre Millennium. Donc, c'est. Comment il s'appelle l'auteur de ça? Stieg Larsson. C'est ça. Mais ça, c'est une affaire de geek, ça. Mais en général, ce sont tous des films, après ce que tu peux voir avec des effets. Spéciaux. Beaucoup d'effets spéciaux. Oui. Mais c'est la scène de viol dans Millennium. Oui, ça c'est dur. Oui, effectivement. C'est dur. Une autre activité geek, c'est tout ce qui est comique et bande dessinée. Souvent, les geeks, il y a une grosse partie des geeks qui est les collectionneurs de bande dessinée. Tintin, ça fait-tu partie de ça? Oui. Oui. Ben oui. Le monde qui collectionne les affaires de Tintin, c'est définitivement des geeks. Ça fait longtemps, ça, Tintin. Mais il y a du monde qui trippe Tintin. Il y a des gros collectionneurs de Tintin. On avait des livres de Tintin. On les a tous, les autres. Ah, c'est intéressant. Oui. C'est le fun à lire. Ça vaut cher. Si tu as les livres originaux, là, les premières éditions. Moi, je les ai toutes. Mes gars, ils les ont eues. Puis mon frère, il vient les recevoir pour Noël. Toute la gang, ça lui a coûté 400$. Ah oui, ben oui. Toute la gang. Mais je lisais dans un article, c'est Spielberg là, qui lui a fait Tintin. Ils disent qu'il aurait dû s'en tenir au mot Tintin au lieu de Tintin. Oui, mais là, il a essayé d'adapter ça pour les Américains. Tintin. Parce que Tintin, c'est super connu dans la francophonie.
Tintin, c'est super connu dans les pays francophones. Ça aurait été connu, la même chose s'il l'avait dit, le vrai mot, Tintin. Oui, oui, le monde avait dit Tintin. Aux États-Unis, ils sont forts, c'est français, les autres, ils aiment ça, ils trippent sur ça, les mots français. C'est ça, moi, je suis... Okay. Il aurait dit Tintin la même chose. Ouais. Tintin. En tout cas, il y a un gros, il y a beaucoup de gens dans la communauté geek qui trippent bande dessinée. Donc, il y a vraiment une grande... Puis ça marche, il y a plein de magasins qui vendent des bandes dessinées. Mais je ne peux pas comprendre beaucoup ce monde-là, puis ils sont âgés encore. Il y en a à relire, ça. Je ne comprends pas ça. Ah oui, moi, il y a des livres que je relis. Moi, mon fils, là, je n'ai pas de cuisine. Ben oui, c'est un livre que je relis. J'en ai mis un à l'école. C'est sûr. Il n'y a pas donné ces livres-là. Donc, pour continuer dans les activités geeks, on a aussi tout ce qui est jeux de rôle, ça on en a parlé. Donc, souvent relié avec les univers qu'on a mentionnés déjà. Donc, par exemple, des jeux de rôle de Star Trek, des jeux de rôle de Seigneur des Anneaux, ou Star Wars, ou des choses comme ça. Il y a aussi les jeux de rôle comme Donjons et Dragons. Des gens qui font des tournois, des week-ends Donjons et Dragons. Et tous les jeux de société. Donc, tout ce qui est jeux de société, des gens qui font des tournois de risque, par exemple, des tournois de Monopoly, ou des choses comme ça. Oui, c'est compris dans ça. Oui, c'est... Oui, il y a du monde. Ben là, je dis, mais quand c'est au point d'une passion, c'est pas parce que tu joues... Oui, c'est très large, les geeks, effectivement. C'est assez large. Les jeux de rôle grandeur nature. Donc, les gens vraiment s'habillent et font un jeu là, sur un grand espace. Par exemple, prendre un immeuble ici, comme le PEC, puis organiser quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on pourrait faire ici au musée. Puis, il y a une autre chose aussi qui s'appelle le cosplay. Le cosplay, ça vient de costume play. C'est-à-dire, c'est de jouer en costume, de faire des jeux, style des tournois de risque ou de Monopoly ou de toutes sortes de jeux. Il y a toutes sortes de jeux là, que, différents, comme ça, que les gens jouent en costume d'époque, ou en costume de personnages de science-fiction. Ça, c'est une grosse affaire. Les War Games, des jeux de stratégie avec figurines. Donc, par exemple, des jeux là, où on se construit comme des... Comment qu'on appelait ça? Tu sais, avant, avec des soldats de plomb, là, les gens se faisaient comme des... On les jouait à ça, oui. Oui, bon, ben c'est des war games. Il y a du monde qui se font des tournois de ça. Ils vendaient ça en cercle, et on achetait ça, puis on se faisait c'est des petites de plâtre, puis on... Oui, oui, c'est ça, exactement. Ils n'ont rien inventé, ça. C'est déjà tout... On faisait tout ça quand on était jeune, puis on l'a inventé. Ben non, mais la différence, c'est que... Ça, c'est des gens qui jouent encore à ça aujourd'hui. Mm-hmm. Toi, à un moment donné, t'as arrêté, tu jouais à ça quand t'étais petit, mais t'as pas continué. Ben là, j'ai passé à d'autres choses. Ben c'est ça, mais là, on parle de gens qui ont une passion, puis qui, à 40 ans, ils jouent encore à ça. Comme les collectionneurs de trains, là. Comme les collectionneurs de trains. Ben, les collectionneurs de trains, ça pourra vraiment rentrer dans la culture geek, ça. C'est ça, parce que, tu sais, ils étaient rendus, ils occupaient tout l'espace en dessous du CN, à cause de Bonaventure, là. Puis là, ils ont besoin des locaux, ils les ont envoyés là-dedans. Ah oui? Ah oui, cette année, ils ont fermé, là, puis c'était rendu super beau, ça, là. Ah oui? Oui, je ne sais pas ce qu'ils sont rendus, on n'a pas eu écho, mais oui, ils ont fermé leur porte en décembre cette année. Puis ça faisait longtemps qu'ils étaient là? Ah, ça faisait des années, puis là, ils ont eu un avis, ils étaient juste à loyer, c'était juste... Qui c'est qui aurait pensé qu'il aurait pris un sous-sol ou un espace de même? Ben oui. Ben oui, ils sont partis. Mais c'est correct quand même, là. Ils ont comme une certaine nostalgie de l'enfant. Oui, c'est ça. Et de l'époque très ancienne. Aussi, oui, oui. Histoire. Mais comme oui. Les collectionneurs, dans le monde, ils sont d'Elvis Palestinus comme des manières, ça aussi. En avance, oui. C'est curieux quand même. Oui, mais c'est des gens qui sont vraiment passionnés. Moi, je n'ai vécu une expérience comme ça. Moi, j'ai été une semaine avec Guy Corneau, puis on était à médiéval, puis on était habillés. Puis là, on jouait à un atelier personne-personnage. Puis mon personnage, c'est Rachel, puis mon site internet, c'est Rachel, parce que j'ai gardé des tellement bons souvenirs de ça.
Et puis, t'es comme deux mondes, tu vis deux mondes. C'est ça. C'est super le fun de faire ça, là. Moi, j'en sais, mais ça. Ça, c'est des gens qui sont vraiment, que c'est une passion, mais c'est un hobby. Ils font. Oui, c'est un hobby. J'avais mon beau-frère, il a 50 ans, il avait 50 ans, puis il dépensait une fortune. Il était à tout un club, là, pour des avions. Oui, vous avez télévisé. Ça coûtait cher. Mon frère, c'est du bateau. Il voulait aller tôt là-bas. C'est celui là qui avait le plus gros gadget là, qui faisait marcher cet avion-là. Il passait des dimanches après-midi là, dans la journée de congé. Ben oui. Ben, regarde, c'est mieux ça que d'aller prendre un coup. Parce que tu veux, eux autres, ils n'avaient pas d'enfants. Fait que lui, ben, donc, il avait les moyens tous les deux de se payer des choses comme ça. Donc, c'est au lieu d'aller jeune, jouer au golf, lui, il jouait à ça. C'est ça. Nous autres, quand on a sorti de notre expérience, l'hiver, il y a la joie. Il y avait toutes sortes de points de vue. Il y en a qui disaient, oh, on a eu bien du fun cette semaine, mais c'est pour ça la vie, là, tu sais, on va retourner à nos affaires. Il y en a d'autres qui disaient, moi, j'aimerais ça continuer d'en faire de ça, tu sais, jouer bon, du monde. C'est un dépaysement. C'est ça. J'ai bien aimé ça pour faire ça. Exactement. Bon. Donc, on continue dans les activités geeks, les jeux vidéo, les jeux de stratégie, jeux d'arcade, les jeux en ligne. En particulier, un type de jeu en ligne, je vais vous parler tout à l'heure, qui s'appelle les MMORPG. Les MMORPG, c'est les Massively Multiplayer Online Role-Playing Games. Des jeux de rôle en ligne, des jeux de rôle sur ordinateur, sur Internet, mais Massively Multiplayer, c'est-à-dire avec un grand nombre de joueurs. Donc, si on se crée un univers virtuel, là, puis tu peux avoir 2000 personnes qui jouent en même temps, là. Ça, par Internet à ce jeu-là. Des jeux de très, très, très grande étendue. Moi, quand je joue aux dames avec un de mes copains, là, qui, ça, je joue aux dames, lui, je joue, comme ça, c'est à mon tour. Imagine-toi, c'est peut-être plus proche du jeu d'échecs que du jeu de dames, mais c'est des jeux style des jeux de rôle, des jeux de guerre, des jeux de simulation, des univers virtuels. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure de ça. Il y a des gens qui. Activité, là, extérieur, vraiment, c'est ça. Non, peut-être pas nécessairement, mais il y en a. Il y a des gens qui font ils peuvent être amateurs de golf, ou amateurs de ski, ou amateurs de vélo. Les gens accro des machines. Les gens accro des machines au casino. C'est pas des geeks, ça. Non. Non. Non, parce que les geeks, ils vont pas jouer pour l'argent, ils vont jouer pour le fun. Ah, OK. Un autre aussi qui est bien intéressant, c'est les mangas. Connaissez-vous ça, des mangas? Non. Je vais vous montrer des photos de mangas. Là. Mais des mangas, c'est des bandes dessinées japonaises. Tu sais, avec les gros yeux, là, tu vois ça? Ah. Il y a du monde qui trippe manga. Il y a des gens qui s'appellent des otaku. Pardon? Otaku, c'est un mot japonais. Les otaku, c'est des gens qui passent leur vie à manga, leur univers est manga. Alors, au Japon, là, si tu vas voir des gens qui sont habillés, qui se promènent dans la rue, là, habillés en personnage de bande dessinée japonaise. Là, je pense qu'ils ont peut-être un petit quelque chose, là. Tu te promènes pas. Quand ben, tu es rendu là, là. Ben, gars, t'as du monde qui se promène tout habillé en noir, là. C'est peut-être un geek, mais un geek sauté. T'as du monde qui se promène en punk, t'as du monde qui se promène en sport. Moi, j'ai des filles, là. Ils sont sautés, tu sais. Ça, ben, tout le monde est un peu sauté à sa façon. Ben, on est tous un peu sautés. Non, quand tu es rendu à te promener déguisé, là, tu sais, là, un instant, là. Non, pas exagérer. Les autres, c'est leur trip. C'est ça, tu fais les yeux, le monde. Moi, j'ai trouvé ça, manga. Manga, M-A-N-G-A, c'est comme une mangue, le fruit. Les mangas. Et puis bon, il y a aussi tout le côté musique aussi. Tu as des geeks qui trippent sur la musique. Surtout beaucoup aussi la musique électronique, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment toutes sortes d'affaires qui ont relié à la technologie. Donc, ça, c'est pour vous donner l'exemple d'une chambre de geek. Quelqu'un qui trippe geek, là, qui trippe en ici, personnage. Donc, lui, là, c'est quelqu'un qui trippe manga. C'est un autre, c'est les fameux. C'est comme Betty Boo, là. Oh, oui, oui. Vous voyez le personnage qu'on voit avec les gros yeux en arrière de la fille, là. Ça, c'est un manga. Ça, c'est quelqu'un qui trippe manga, puis tout son univers tourne autour. Vous voyez, là, sa chambre, là, il y en a partout. Là. Il y en a en psychiatrie qui sont Mais oui. C'est sûr. C'est collectionneur. Oui, oui.
C'est sûr qu'à un moment donné, collectionneur, ça peut devenir OCD. Ça peut devenir obsessif compulsif. Oh, moi, je connais une fille qui a une collection de petits anges. Elle a autant que ça. Ben oui. Donc, les geeks organisent des rencontres geeks. Il y a des conventions, des congrès de geeks. Des meetings, des fins de semaine, des événements geeks. Par exemple, bon, les rencontres du logiciel libre, des mondes qui trippent informatique. Des rencontres de jeux multijoueurs, des LAN parties. C'est-à-dire des rencontres où tout le monde vient avec son ordinateur. C'est-à-dire que tout le monde arrive avec son ordinateur là, dans une salle, là, puis on se branche tous ensemble en réseau. On branche tous nos ordinateurs ensemble, puis on va faire des jeux, des styles jeux de guerre ou des tournois là, qui vont durer comme une fin de semaine. Il y en a eu ici, il y en avait pas là, à un moment donné, aux Nouvelles à Radio-Canada, il y en avait eu une grosse à Longueuil, un LAN party comme ça. Tout le monde, il y avait comme 2-3 000 personnes dans un gymnase qui jouent pendant 48 heures non-stop. Qui jouent en équipe, fait qu'ils peuvent se relayer. Pendant qu'il y en a qui dorment, les autres continuent. Et puis, c'est des... Ben, regarde, ils prennent pas de drogue, ils sont pas en train de prendre un coup dans des bars. Ben, c'est ça, le drogue. Mettons que le drogue est moins néfaste... Non, pas ça toutes les semaines, non. Le drogue est moins néfaste qu'une autre sorte de drogue. Moi, je vois ça de même. C'est ça. Oui, mais à un moment donné, il faut qu'ils récupèrent. Ils sont 2 jours sans dormir. Non, mais ils sont pas 2 jours sans dormir. Ils vont se relayer. Ils vont être une équipe. C'est pour ça qu'ils font ça en équipe. Ils vont faire ça en équipe. Mais ça, c'est le genre de réunion geek qui peuvent se faire. Des conventions de jeux de rôle... Des reconstitutions historiques aussi. Hein? Donc, les gens qui vont faire un congrès là, de jeux de rôle, une fin de semaine de jeux de rôle, par exemple. Des conventions, des wargames aussi. Les rassemblements de passionnés qui représentent un événement. Donc, par exemple, des congrès geeks, des événements geeks, des jeux. À Montréal, il y en a un, ça s'appelle le Geek Fest. Festival Geek de Montréal. C'est un événement qui a eu lieu. Là, cette année, c'est pas sûr s'il va en avoir un, mais il y en a eu pendant plusieurs années à Montréal. Nous, moi, j'étais là. Les 2 dernières années, j'étais là. Moi, j'avais un kiosque à ça. Pour la musique. On avait un kiosque au Geek Fest. Mais ça parlait de quoi, ce festival? Regarde ce qu'ils ont dans les mains. Ça parlait de jeux, d'ordinateurs, de collectionneurs, de toutes sortes d'affaires. Il y avait des bonnes sections de bande dessinée. Toutes sortes d'activités qui intéressent les geeks. C'est comme un genre de fin de semaine geek à Montréal. Ça fait combien d'années là, que vraiment là, c'est défini? Là, puis, la culture geek? Comme une culture significative? Ici au Canada ou en général? Au Québec. Au Québec, ça fait peut-être une vingtaine d'années que ça existe. Oui. Mais que c'est vraiment très populaire, je te dirais peut-être 5-6 ans. Ouais. Et c'est vraiment très, très populaire. Parce qu'aujourd'hui, être un geek, c'est positif. Tu as des gens très riches, tu as des geeks qui sont devenus très riches, très connus. Là. Bill Gates, Steve Jobs, du monde comme ça. Qu'est-ce que ça fait, ça, non? Mark Zuckerberg. Y a-t-il quelqu'un qui va défendre ça, la culture geek, auprès des psychiatres qui veulent le mettre dans le DSM? Non, ce qu'ils veulent mettre dans le DSM, c'est pas le fait d'être geek. Ce qu'ils veulent mettre dans le DSM-5, dans la nouvelle version, c'est la cyberdépendance. Oui. Mais tu peux être geek sans être cyberdépendant. Tu peux boire de l'alcool sans être alcoolique. C'est pas tous les gens qui consomment de l'alcool qui sont des alcooliques. Il y a un moment donné, quand tu dépasses une certaine limite, quand ça commence à affecter ton comportement, quand ça commence à régler ta vie, l'alcool, ben là, ça devient un problème. Ça devient de l'alcoolisme. Là, tu développes. Mais supposons que t'avais des enfants, toi, tu deviendrais comme malade un peu. Là. T'aurais de la misère à mettre l'équilibre dans ta vie, là. Ben non, pas, je pense pas. Ça en mots juste, là, tu sais, ça fait. Ben oui, mais là, je pense pas. Je pense que c'est une question. De toute façon, il n'y a pas. À moins que mon épouse décède puis que je me remarie avec une petite jeune de 20 ans, il y a les chances que j'aille des enfants. Non, mais on va pas dire toi, on va dire quelqu'un là, qui accroche là-dedans, puis là, il n'y a pas toute la disponibilité pour se laisser aller sa passion. Là. Ah ben c'est sûr que si tu as des enfants et que tu es dans ce style de vie-là,
Mané, il faut que tu fasses des choix. Dans les, par exemple, au Geekfest l'année passée, ça prend du monde qui il y a des, y en a des jeunes, des gars, qui, des parents qui viennent avec leurs enfants. Là, il faut que le mari et la femme ils soient, qui trippent là-dessus, oui. Puis ils amènent leurs enfants. Ben, il y avait ça, des bébés en carrosse au Geekfest l'année passée. D'où ça vient, ce temps-là? Il va avoir un cours. Bon, on l'a expliqué tout à l'heure, mais avant que tu arrives, ça vient de l'allemand. Alors, moi, je pourrais rester en allemand. Et en allemand, ça signifierait quoi? Fou? Ah bon? Ou folie. C'est pas pour ça qu'il y a un cerveau sur le dessus. Peut-être un petit peu. Il y a un cerveau, là. Un autre gros événement geek qui a lieu. Ça vous dérange pas si on continue? Là? On a dit qu'on arrêterait vers 3 heures aujourd'hui. Donc on prendra pas de pause. Ça vous va? Quand je vois la neige tomber. Oui, c'est ça. On va continuer. On prendra pas de pause. Puis, on va finir plus tôt. C'est correct? OK. Puis la prochaine fois, il est parti débarrer à la porte en arrière. Ah, il t'a pas débarré? Ben non, je suis obligé. Ah, ça, c'est de ma faute. J'étais en retard, j'ai dit, Caroline, il faut que je fasse le tour. Donc, un autre gros événement geek qui a eu lieu à Montréal depuis quelques années, c'est le Comic-Con. Comic-Con, c'est un très, très gros événement qui a lieu partout dans le monde, en fait, pas juste à Montréal. Mais il y a Comic-Con. Comic-Con. J'ai un petit vidéo, je ne sais pas si ça fonctionne. Je peux... Oh, attendez. Oui. C'est sûr que ça ne part pas mon vidéo. Attendez une seconde. Il y a une mot con, là-dedans. Il faut que ça regarde tout ce qui est cyber. Hein? Toutes les trips, si tu veux, geek. Il faut que ça ait un lien avec tout ce qui est cyber. Non. C'est quoi la différence entre l'attraction et l'obsession? Qui aura lieu à la fin de cette semaine. Ça va être un événement assez exceptionnel. Dans le sens de sentiment, l'obsession, c'est plus dans le sens de. Il peut devenir. De comportement, ça. Il est passionné quelque chose, tu penses qu'il est ça. Oui, mais c'est dans la catégorie sentiment, l'autre, c'est dans la catégorie comportement. Oui. Donc, le Comic-Con, par exemple, c'est un gros congrès qui a lieu à Montréal. Il va en avoir un aussi cette année. L'invité d'honneur cette année, c'est William Shatner. Qu'est-ce qu'il fait? William Shatner. Je dis rien sur William. Non? Mais le nom, il semble, ça je sais pas. William Shatner, c'est le capitaine Kirk. Ah, c'est ça. Dans Star Trek. Capitaine Kirk. Dans la série Star Trek. Oui, certain. Ça fait longtemps qu'il a vieilli, le père. Ben oui, mais il c'est gros. Un gars. Ben oui, mais écoute, il a un certain âge aussi. Ben oui, c'est bon. C'est un gars qui il a vécu à Montréal, il a étudié à McGill. Ah oui. Mais c'est lui qui est l'invité d'honneur cette année. Mais il y a souvent, comme vous voyez ici, Comic-Con International, ça c'est celui de San Francisco, qui est le grand Comic-Con International. Mais ça, c'est les personnages de l'émission que je vous mentionnais tout à l'heure, là, le Big Bang Theory, avec Sheldon Cooper, qui est au centre. Est-ce qu'il y en a eu un Comic-Con International à Montréal? Non, Comic-Con International, c'est juste à San Francisco. Ah oui? Oui, qui est la mecque des geeks, là, San Francisco. Oui, mais il y a des Comic-Con un petit peu partout. Il y a un Comic-Con à Paris, un Comic-Con à... À Montréal. Ça, eux autres, c'est quoi? C'est sur les bandes dessinées? Non, eux, c'est des personnages. Ils jouent dans une émission de télé. Ils jouent un rôle dans une émission de télé. Et le rôle qu'ils jouent, eux, dans l'émission de télé, c'est justement, ils sont des geeks. C'est des scientifiques. OK. Des universitaires. Fait qu'ils réunissent tous ces gens-là. Oui. Okay. Mais à Comic-Con, ils vont inviter des gens, comme par exemple des comédiens qui sont dans Star Trek ou qui sont dans des différents films de science-fiction, beaucoup de science-fiction. Mais Batman aussi. Mais ça remplit quand même pas une salle. Ah oui, un gros centre de congrès. Non, mais eux autres, ils sont invités, personnes. Tu veux dire, là, les acteurs. Là. Oui, ils sont invités comme conférenciers. Comme conférenciers, OK. Mais ceux qui sont là. Qui vont au congrès. Oui. Il peut y avoir 4-5 000 personnes. Les autres, ça vient d'où? C'est tout des geeks. De partout. Des geeks, quoi, oui. Ils sont geeks accrochés à n'importe quoi, à n'importe quel... Oui. Hein? OK. Je pensais qu'il y avait quelque chose de spécifique. Non, non. Ben, comme au GeekFest, par exemple, à Montréal, tu avais une section
une section jeux vidéo, tu avais une section ordinateur ancien, tu avais une section bande dessinée, tu avais une section jeux. Ça, c'est pas une section, ça comprend tout ce que. C'est un gros congrès, un énorme congrès, puis il y en a. Le principal est à San Francisco, mais il y en a différents, il y en a un petit peu partout dans le monde des Comic-Con. Je vous parlais tout à l'heure des jeux de rôle MMO à RPG. J'ai un petit vidéo, j'espère que ça va bien fonctionner ce coup-là. Un petit vidéo sur les MMO à RPG, ça va vous donner une idée d'un petit peu de quoi ça a l'air. Farmerama est un MMORPG gratuit sur navigateur. Menez la vie d'un humble agriculteur. Respirez l'air frais de la campagne et récoltez les fruits de votre agriculture en prenant grand soin de votre meilleur atout, votre terre. Pirate Galaxy se déroule dans un avenir lointain. Vous jouez le rôle d'un pilote de vaisseau spatial audacieux qui rejoint une organisation de pirates de l'espace. Le jeu se distingue par ses combats spatiaux et terrestres en temps réel, ses contrôles simples et intuitifs, une musique d'ambiance prenante et un univers énorme avec des dizaines de planètes à explorer. Fly for Fun se focalise sur les personnages volants et offre des combats au sol et dans les airs excitants avec une multitude de talents, armes, véhicules volants et jobs. Son système de groupe est assez unique car il récompense les membres d'un groupe avec des bonus basés sur les performances collectives. Atlantica Online est un MMO de stratégie dans lequel les joueurs entreprennent un voyage pour trouver les reliques de l'Atlantide et les détruire. En explorant, ils découvriront les liens qui les unissent à la cité perdue. Ceux qui réalisent ces vidéos-là, là, c'est des joueurs, j'imagine, aller au congrès, c'est toutes ces choses-là. C'est sûr. En mélange. C'est... Donjons et Dragons Online apporte un véritable système de combat actif où les monstres peuvent vous voir et vous entendre, qui ajoute des éléments entièrement nouveaux à un système déjà avancé. Prenez part aux batailles stratégiques en combinant les mécanismes de collision et du combat en temps réel. Free Realm, c'est un monde virtuel en 3D à découvrir directement depuis votre navigateur internet. Apprenez à votre familier de nouveaux trucs, cherchez de l'or, cuisinez un repas ou pilotez votre voiture. Une fois, il y a des choses, des vidéos pour enfants, là. C'est tellement bien fait que ça intéresse pas. Moi, tu peux me faire je regarde ça, je suis dans le froid. Shaya s'adresse aux joueurs qui aiment le combat avant tout et qui sont désireux d'améliorer leurs compétences en permanence. L'un des aspects les plus attractifs sont les 4 modes de difficulté, facile, normal, difficile et ultimate. Si un joueur en mode ultime est tué et n'est pas ressuscité dans les 3 minutes qui suivent, son personnage est définitivement mort. La plus unique caractéristique de Runes of Magic est son système de double classe avec un maximum de 30 types. Utilisé à bon escient, le système de double classe permet aux joueurs de créer des personnages complets aux multiples fonctions. Plongez au cœur de Taborea, un monde magique rempli de mystères et de merveilles anciennes. Rencontrez des créatures mythiques et féroces et percez à jour le mystère des royaumes perdus. Perfect World est un MMORPG basé sur la mythologie chinoise qui offre un bon système joueur contre joueur, des guerres de territoire, une progression des compétences dynamiques basées sur le niveau et sur les points de talent. La simulation du jour et de la nuit, ainsi que le vol, sont des éléments clés dans l'exploration de l'univers du jeu. Vindictus est le premier jeu de rôle d'action métier joueur.
joueurs basés sur la physique qui combinent des visuels époustouflants avec des combats à grande vitesse. Vindictus utilise un moteur source modifié pour permettre des actions telles que lancer, briser, enchaîner, transpercer avec des lances et plus encore. Donc ça, c'est un genre de palmarès qui a été fait des 10 meilleurs jeux. J'ai pris ça sur YouTube. Je trouvais ça intéressant. Ça vous donne une idée un petit peu de quoi ça a l'air. Des jeux de rôle, donc en ligne à joueurs multiples, donc des MMORPG. Donc des jeux, c'est des jeux de rôle. Des jeux de rôle, okay. Mais en ligne, ça se joue en ligne. OK. Bon, juste pour finir rapidement, bon, des romans. J'ai une question oui. Avant qu'on poursuive. Tu sais, le jeu, là, paintball, paf, puis tu caches oui. Les paf, c'est oui. Ça. C'est un vrai jeu de tout ça. Oui. Oui, c'est pas bon, oui. Hein, effectivement. Tu le père. Oui, puis les geeks vont des fois se faire des tournois de paintball, effectivement. Wow, c'est fun, ouais. Ça. Mais oui. Les cartes, ça en est plus. Parce que là, on joue comment? Le vrai. Il y en a, il y a des jeux de cartes, là. Puis là, si on l'a pas, il y a un petit bob qui dit, tu l'as pas, puis il a fait, Oui. Ça aussi, c'est des affaires de geeks. Oui. Imagine-toi comment est-ce que c'est que ça prend. Ça prend le créateur, d'abord, celui qui a l'idée. Oui. Hey, ça en prend du monde en arrière d'un jeu vidéo. Oui. Ça, c'est donc sur les romans. C'est des, mais vas-y. Mais là, c'est pas des films, là. Est-ce qu'ils font, fabriquent ça en plus de ça, ils manquent, c'est, ou c'est oui. Seulement sur des images qu'ils vont photographier? Ben, ils peuvent faire les deux, ça va dépendre. C'est incroyable. Différentes techniques, ils ont des faits spéciaux. Parce que quand on voit ça, quand on va voir les films, on dirait là, qu'ils ont tout créé ça, là, Mais aujourd'hui, ils peuvent beaucoup en faire beaucoup sur ordinateur aussi. Mais il y en a deux Québécois qui en font des effets spéciaux. J'ai vu dans la presse, là, pour des films, puis sont même en demande aux États-Unis. C'est fait à partir d'ordinateurs. Ah oui, beaucoup, ils peuvent beaucoup faire sur ordinateur maintenant. Fait que j'ai une petite liste, les robes. À partir de dessin. Le dessinateur avant. C'est ça, oui. Juste vous donner une petite idée. Donc, les romans favoris des geeks, tout ce qui est Tolkien, toute la série des Seigneurs des Anneaux et compagnie. Conan le Barbare, tous les romans d'Isaac Asimov, hein? Tout ce qui est Isaac Asimov, des choses de science-fiction. Frank Herbert, là, Dunes, J.K. Rowling, Harry Potter. Dans les cinémas, Star Wars, évidemment, Blade Runner, 2001, l'Odyssée de l'espace, Indiana Jones, Retour vers le futur. Blade Runner, c'est bon. Comment? Blade Runner, ben oui. Dans les émissions de télé, on trouve Star Trek, Star Wars, Stargate, Babylon, Simpson, Big Bang, X-Files, Batman, Spider-Man, Superman, hein? South Park aussi. Spider-Man. Et puis, juste, je voulais juste finir avec ça, parce que ça, c'est mon logo, Guy. Pourquoi tu vois trois? C'est au lieu des E, j'ai changé le E pour. C'est du dans le langage de hacker. On change certaines lettres par des chiffres. Ah. Geek, ça c'est mon symbole geek. Vous allez voir probablement autour du PEC dans les prochaines semaines. Vous allez voir apparaître ce logo-là un petit peu partout. Parce qu'on veut faire un événement en 2012 ici à Montréal, un événement geek avec le musée qui aurait lieu, on l'espère, sur l'esplanade du stade, l'esplanade du parc olympique. L'esplanade là, qui est entre le biodôme et le stade, il y a une grande terrasse. On a proposé à la Régie des installations olympiques de faire l'univers geek là, cet été. En permanence, ça va être juste un pendant l'été. Cet pendant été. Tout l'été. Ah. Oui, parce qu'ils veulent animer ça, hein, ce coin-là. C'est ça. Là. Mais nous, on veut faire participer à l'animation de tout ça. Puis on veut faire un événement geek, donc une activité geek pendant tout l'été. Et des expositions sur l'informatique, expositions de jeux vidéo, la partie du musée. Mais aussi des conférences geek. Les jeux de rôle, geek, toutes les affaires que je vous ai parlé, les jeux de rôle, les bandes dessinées, les mangas, tout ça, on veut faire ça cet été. Tout ça ouvert à la population. Ouvert à la population.
Bon. Tu veux faire la mascotte? Ben oui. Pendant tout l'été, on veut faire ça ici dans le quartier. On pense que ça va aller rejoindre quand même beaucoup les jeunes. Mais les jeunes, évidemment, de tout âge. Ça va faire, tu sais, les gens qui, justement, qui sont peut-être pas nécessairement hyper sportifs ou mais ça fait des activités en plein air. Puis que ça va animer ce point-là, là, en ben ciment. Oui. Là, mais nous, on a proposé de faire ça au stade. Ah, c'est bien. Ah, ben, oui. On espère qu'ils vont pouvoir. Ils vont pouvoir aller jouer à Star City. Vous n'avez pas eu votre réponse encore. Il faut que vous présentiez votre projet. C'est ça. Nous, c'est votre projet. Le projet du PEC, du musée.